D'accord. Vas-y. Alors, est-ce que je vais vite? Vous suivez? C'est bon, on peut aller avec ce rythme. Oh. Oui, Oui, je pense, bon. oui, monsieur. D'accord. Alors, on va maintenant discuter le principe physique de ces méthodes électriques, avec bien sûr des rappels que vous avez déjà vus dans le cours de physique. Vous avez fait le cours de physique en première année, en S1, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez fait un cours de physique? Oui, monsieur, on fait la thermodynamique. La thermo? Oui. Ah, malheureusement, il fallait faire bon, faire la physique de points matériels, ce serait beaucoup mieux pour vous. En tout cas, bon, je ne vais pas rentrer dans des discussions inutiles. Donc, si on fait ces quelques rappels, c'est ce qu'on avait certainement que vous avez vu même en cinquième année secondaire, en baccalauréat, ou alors en première année de faculté. Si je considère un champ scalaire, hein, c'est-à-dire un domaine d'étude, hein, un champ scalaire que je vais appeler U, X, Y, Z, où je vais étudier une fonction donnée. Donc, considérons ce repère orthonormé X, Y, Z, dans lequel je définis un champ scalaire hein, que je peux étudier. Alors, c'est quoi une surface de niveau? Donc, je peux, dans ce champ scalaire, définir une fonction U, X, Y, Z. Une fonction, je ne sais pas, une fonction mathématique, une fonction physique, thermo par exemple, que vous avez fait en cours de physique, une fonction, je ne sais pas, tension, une fonction pression, une fonction donnée. Donc, ce qu'on appelle surface de niveau, c'est toute surface selon laquelle la fonction étudiée est égale à une constante. Donc, je peux prendre par exemple un matériau donné qui va me constituer le champ scalaire, où je vais étudier la fonction température. Je peux définir à l'intérieur de, je ne sais pas, à l'intérieur de ce matériel ou de cette boule ou de cette barre de fer ou je ne sais pas moi, une surface selon laquelle la fonction température est égale à une constante. Je mesure ici, je trouve 10 degrés, 10 degrés, là où je vais, je trouve 2 degrés. Et donc, je peux relier ces points-là et constituer une surface. C'est ce qu'on appelle une surface de niveau. Donc, si vous voyez ici, par exemple, je peux définir un plan PA où la fonction scalaire U, X, Y, Z est égale à une constante. Ça, c'est une surface de niveau. Donc, on appelle surface de niveau toute surface selon laquelle la fonction scalaire est égale à une constante. Exemple. Voilà, donc vous avez des exemples. Surface isotherme. Isotherme, c'est-à-dire égale température. Donc, je peux prendre une barre de fer et l'alimenter par une source de chaleur. Bien sûr, il y aura répartition de la fonction température sur la barre. Et je peux définir à l'intérieur de la barre des surfaces selon lesquelles température elle est la même. Donc, c'est une surface de niveau, donc isotherme. Je peux prendre, je ne sais pas, la croûte terrestre et étudier la pression, la pression lithostatique, par exemple. Je peux trouver à l'intérieur de la croûte terrestre, qui est le champ scalaire, la fonction pression lithostatique est égale à une constante. Elle est la même, elle est, je ne sais pas, de combien de bars. Donc, c'est une surface isobare.
isopression. Je peux définir, et c'est ça ce qui nous intéresse, un champ donné dans le sol, hein, dans le sol, je peux définir un domaine donné où je peux trouver des surfaces d'égal potentiel électrique. J'injecte un courant, je vais créer un potentiel électrique, un champ électrique et donc un potentiel électrique. Et donc, je peux trouver dans le sol les surfaces d'égal potentiel électrique. C'est ce qu'on appelle des surfaces équipotentielles. Et c'est ça ce qu'on va étudier. Hein? C'est ces équipotentielles que nous allons tout le temps retrouver dans notre cours. Et donc, une surface de niveau, c'est une surface où une fonction étudiée, que ce soit la température, que ce soit la pression, que ce soit le potentiel électrique, que ce soit, je ne sais pas, n'importe quelle fonction que vous pouvez imaginer, est égale à une constante, ça constitue pour moi une surface de niveau, et donc une iso-valeur. Et nous, ce que l'on va trouver, ou ce que l'on va étudier, ce sont les iso-valeurs des équipotentielles. OK? Si je vais passer d'une surface de niveau à une autre surface de niveau où la fonction scalaire Ux, Y, Z est égale à la constante que j'ai ici, plus une variation, hein, une certaine delta C, une delta constante. Donc c'est une variation. C'est quoi ça? Ce n'est autre qu'un gradient. Ah, ça c'est le gradient. À quoi est égal le gradient d'une fonction? Que vous avez vu. Gradient de f est égal à d de f sur d de x plus d de f sur d de y plus d de f sur d de z. D'accord? Donc, le gradient de n'importe quelle fonction, c'est la dérivée de cette fonction selon la direction x, plus la dérivée de cette fonction selon la direction y, plus la dérivée de cette fonction selon la direction z. Et donc, quand je parle d'un gradient, dérivée, c'est une variation. C'est le point de départ, moins le point de... c'est plutôt le point d'arrivée, moins le point de départ. C'est toujours un d. D de v par rapport à d de x. D de v par rapport à d de... de y, d de v par rapport à d. C'est la variation selon les trois directions de l'espace. Donc le gradient de u, ce n'est autre que cette variation en passant d'une surface de niveau 1 à une surface de niveau 1 plus 1, 2, et puis 1 plus 2, 3, et ainsi de suite. Donc surface de niveau à une autre. OK? Voilà. On appelle gradient le vecteur mesurant la variation selon les trois directions de l'espace. D de u sur d de x fois le vecteur unité i, plus le d de u sur d de y fois le vecteur unitaire j, plus d de u sur d de z fois le vecteur unitaire k. C'est ça ce qu'on appelle le gradient. Donc, si juste des rappels, vous avez déjà vu ça. Et nous, ce qu'on va étudier dans les méthodes électriques, c'est justement cette variation du potentiel électrique d'un endroit à l'autre. Vous allez voir que ça va changer en passant du gisement à l'encaissant, et même à l'intérieur de l'encaissant, ça va diminuer jusqu'à s'atténuer à l'infini, etc. Et donc, c'est plutôt des gradients de la fonction potentielle que l'on va étudier tout le long de ce chapitre. Est-ce que c'est bon? OK? Oui, monsieur, vous pouvez continuer. OK, monsieur. Très bien. Voilà. Si je fais un petit rappel pour la loi d'Ohm. Alors, pour la loi d'Ohm, qui peut me rappeler la loi d'Ohm?
Vous pouvez activer vos micros, les gens qui veulent intervenir. Quelle a été la loi d'Ohm que vous avez vue dans le cours des méthodes électriques, l'électricité? U est égal à R fois I. C'est ça. Donc, c'est que la DDP n'est autre que la résistance multipliée par l'intensité du courant. Donc, si j'ai un corps conducteur, c'est-à-dire pour nous, ça serait le sol, hein, et donc j'injecte un courant, là aussi, là par exemple, moyennant une batterie, je peux mesurer, bien sûr, l'intensité de courant traversant le sol, je la mesure à la sortie de mon dispositif, et je peux déduire ce qu'on appelle la densité de courant. C'est quoi l'intensité de courant, c'est quoi? C'est une quantité de charge par unité de temps. Là, je dirais il y a tant de charge par milliseconde, et donc l'intensité de courant elle est de 10 ampères. 1 ampère, c'est un coulomb par seconde. Donc, c'est une quantité de charge, c'est un delta Q sur delta T. Ça, c'est juste des rappels, hein, pour avoir une idée sur quoi l'intensité de courant. C'est donc le nombre de charges par unité de temps. L'intensité de courant, c'est en ampères. Donc, vous allez trouver tous les équipements géophysiques, vous allez trouver, vous êtes en train d'injecter 100 milliampères, 10 ampères, et ainsi de suite. Donc, dans l'appareil, vous allez voir ça. Et la densité de courant, c'est quoi? C'est l'intensité de courant par la section, par une section. C'est-à-dire, quelle est la quantité de courant, l'intensité de courant qui traverse une section donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle la densité de courant. Donc, la densité de courant, c'est l'ampère par mètre carré. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans la manip que vous avez certainement déjà fait, soit en sixième année secondaire ou en première année de faculté, ou en cinquième année secondaire, je ne me rappelle plus quand on a fait ça. Si je fais traverser un courant dans une résistance, je prends une résistance donnée, je fais traverser un courant, je peux mesurer la DDP, la différence de potentiel aux bornes de cette résistance, et je vais varier l'intensité de courant et mesurer la DDP. Et donc, vous avez pris un bout de papier millimétré et vous avez reporté les mesures. Pour l'intensité de courant A, j'ai mesuré une DDP de tant de volts ou de millivolts. Pour l'intensité de courant 2, j'ai mesuré tant de millivolts, et ainsi de suite. Et vous mettez ça sur un graphe. Et vous avez trouvé que le graphe n'est autre qu'une droite qui passe par l'origine. D'accord? Donc il y a une certaine proportionnalité entre la DDP et l'intensité de courant moyennant un paramètre que on avait appelé résistance. Donc c'est ça la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est U est égal à RI, la fameuse loi d'Ohm. La DDP aux bornes d'une résistance est proportionnelle au courant traversant cette dernière par la relation U est égal à RI. Mais nous, là, on ne va pas utiliser la résistance. Nous, on va introduire un nouveau paramètre qui est lié à cette résistance. Et c'est quoi cette résistance? D'après la définition de M. Ohm, la résistance n'est autre que résistivité, un autre paramètre, multiplié par la longueur du corps étudié, divisé par sa section. La résistance, c'est un paramètre qu'on appelle résistivité, multiplié par L, qui est la longueur, divisé par la section. Et donc la résistivité, ça serait quoi? La résistivité, ce serait la résistance fois la section divisée par la longueur. Donc, si je reviens sur la résistance en ohm,
La longueur, c'est en mètres. La section, c'est en mètres carrés. Et donc, on va voir que la résistivité, elle est donnée en ohm fois mètre. Parce que vous avez le ohm multiplié par le mètre carré, divisé par le mètre, donc ça reste ohm fois mètre. Est-ce que vous êtes c'est d'accord? Donc c'est très clair. La résistivité d'un corps, d'un gisement, d'une nappe, ce n'est autre que la résistance fois la section divisée par elle, mais tout ça, c'est juste pour vous définir c'est quoi ce paramètre que l'on va tout le temps entendre parler et qui va revenir tout le temps dans nos expressions, dans nos formules, etc. Voilà donc la résistivité. Regardez que ce que je vous ai montré au début. Voilà, regardez ici la résistivité. Il est donné en ohm mètre. Regardez ici la résistivité. Il est donné en ohm mètre. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. OK. Donc, voilà pour ce qui est loi de Coulomb. La loi d'ohm plutôt. Hein, la loi d'ohm. Alors, si on continue avec ces rappels-là, c'est quoi le son électrique? Le son électrique à l'intérieur d'un circuit donné, à l'intérieur d'un corps donné, n'est autre que la différence de potentiel par la distance. Hein, c'est plutôt le... Si je mesure la DDP par la distance, ça me donne le son. Donc le son, c'est U par L. U, c'est RI. Hein, U sur... C'est RI. Donc, je remplace R par sa valeur qui est R fois S divisé par la section. Donc, ça va me donner, j'ai divisé R par R et ça va me donner R à quoi est égal? Je reviens sur R. Je reviens sur R. R, c'est la résistivité multipliée par la longueur divisé par la section. Je la remplace. C'est la résistivité multipliée par la longueur divisé par la section. Fois I que j'ai ici, il est là, fois L sur LC que j'ai ici, il est là. Et donc, finalement, je vais simplifier le L par L. Qu'est-ce que ça va me donner? C'est Rho sur S fois I. I sur S, c'est quoi? I sur S. Revenez, I sur S. I sur S n'est autre que... Je vous écoute. N'est autre que la densité. C'est ça? Donc je remplace, je trouve une relation entre le champ électrique et la densité de courant électrique. Donc je peux écrire J est égal à 1 sur rho fois E, implique J est égal à sigma fois E. Alors 1 sur rho, rho c'est quoi? C'est la résistivité. Hein, rho c'est la résistivité. Et l'inverse de la résistivité c'est quoi? C'est la chargeabilité, monsieur? C'est plutôt la conductivité. C'est la conductivité. C'est la conductivité. Donc, quand j'ai dit un corps résistant, un corps conducteur. L'inverse, c'est un corps conducteur. La chargeabilité, ça, c'est un emmagasinement des charges, puis une dissipation des charges. C'est aussi un lien avec la conductivité. Mais l'inverse de la résistivité, c'est la conductivité. Et donc, 1 sur rho n'est autre que sigma, qui est la conductivité. Donc, quand je parle de la conductivité ou de la résistivité, pour moi, c'est la même chose. L'une est l'inverse de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi généralisée d'ohm. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse déjà, je peux le voir dans cette formule, c'est qu'il y a une relation entre le courant. Parce que quand je parle de densité de courant, c'est I sur S. Il y a une relation entre le courant que j'injecte dans J, parce qu'il y a J ici, et J n'est autre que la densité de courant, et le champ électrique, E. Mais le champ électrique, on a dit, est égal à moi.
Le champ électrique, il est en relation avec le potentiel. On a dit que le champ électrique n'est autre que V sur ou U sur L. C'est-à-dire le potentiel ou la différence de potentiel divisé par la longueur. Donc, il y a une relation entre le courant électrique et le champ électrique et donc le potentiel électrique. Donc, vous voyez que je vais sur le terrain, sur les photos que je vous ai montrées, j'injecte un courant, je peux mesurer un potentiel. Et j'ai la relation entre le courant que j'injecte et le potentiel que je mesure. Ils sont liés par quoi? Par cette conductivité ou alors par cette résistivité. Et donc, je peux étudier le paramètre résistivité qui me permet de cartographier le sous-sol, zone conducteur, zone résistive, une anomalie conductrice, une anomalie résistive qui correspond à un khattara, qui correspond à une cavité, qui correspond à une galerie, qui correspond à un gisement, qui correspond à une nappe d'eau, etc. Donc, il y a une relation physiquement, il y a une relation entre l'intensité de courant injecté et le potentiel électrique mesuré à travers le champ, à travers le champ électrique. Et nous arrivons bien sûr à la loi de Coulomb qui donne la relation entre le champ électrique et le potentiel électrique. Oh, vous avez vu que E, le champ électrique, n'est autre que le gradient de V. Je vous ai dit que E, c'est la DDP, c'est-à-dire le départ moins l'arrivée divisé par la longueur. Et vous voyez que c'est une variation. C'est une variation du potentiel électrique. Donc E est égal à moins gradient de V. C'était la fameuse loi de Coulomb. Donc, E est égal à moins gradient de V. Et donc, je peux revenir à cette formule et remplacer E par V, par le gradient de V. Et j'aurai une relation entre l'intensité que je vais injecter et le potentiel que je vais mesurer via, par l'intermédiaire de ce paramètre conductivité électrique ou résistivité électrique. Est-ce que vous voyez ou non? Bien sûr, monsieur. Très bien. Et donc, tout est simple maintenant, puisqu'on a vu ce rappel de physique qui me permet de voir le principe de fonctionnement de la méthode électrique. Je peux maintenant passer à faire les applications de cette méthode, étant donné que si j'injecte un courant et que je mesure un potentiel, je peux déduire, je peux extraire, je peux tirer la conductivité électrique des sous-sols ou la résistivité électrique des sous-sols et faire une cartographie des zones conductrices, des zones résistives, interpréter les zones résistives comme des cavités, comme des galeries, comme des roches très résistantes et interpréter les anomalies conductrices comme des gisements métalliques, comme des nappes d'eau souterraines, comme des zones argileuses, je ne sais pas. D'accord? Donc, le principe physique, il est clair dans ma tête. Je peux faire passer à des applications. Voilà. Donc, la résistivité, la résistivité rho, d'un milieu. Et c'est quoi? C'est la propriété physique qui détermine la capacité de ce milieu à laisser passer le courant électrique. C'est ça la résistivité. C'est-à-dire, est-ce que le milieu laisse passer le courant électrique facilement ou difficilement? C'est ça, c'est la capacité de ce milieu à laisser passer le courant électrique. Et donc, la résistivité, c'était quoi l'unité de la résistivité? On a dit, c'était en ohm mètre. Et donc l'inverse, c'est ohm mètre moins 1. Le ohm mètre moins 1 n'est autre que le siemens par mètre. Par définition, le ohm mètre moins 1, M. Siemens l'a défini en siemens par mètre. Donc la conductivité, plutôt, elle est donnée en siemens par mètre. Si vous prenez un conductivimètre, vous le mettez dans l'eau, il va vous afficher une valeur 700 millisiemens par centimètre. Vous avez fait vous avez utilisé un conductivimètre avec le cours de M. Ben Kaddour, non?
Vous avez fait l'hydrosiochimie, non? Oui, oui. Donc, vous avez utilisé un conductivimètre, par exemple, au département, non? Non, non, monsieur. Non. Pardon? On n'a pas un TP. On n'a pas fait le TP. Vous n'avez pas fait TP. Donc, normalement, si je prends un petit appareil, un petit gadget, vous mettez conductivimètre sur Google, vous allez sortir les images du conductivimètre. Vous mettez la sonde du conductivimètre, c'est-à-dire l'électrode, vous la plongez dans l'eau, elle va vous afficher, comme le multimètre ou le voltmètre qui est utilisé par l'électricien, il va lui mesurer la DDP. La même chose, le conductivimètre, vous le plongez dans les électrodes, bien sûr, dans l'eau, elle va vous afficher 500, 700 millisiemens par centimètre. Et ainsi de suite. Et vous dites que là, c'est une eau salée, là, c'est une eau moins salée, etc. En fonction de ces valeurs. Il y a une classification. Bien sûr, on ne peut parler d'eau salée, c'est au-delà de 700 millisiemens par centimètre, je crois. Et donc, vous voyez les unités. Quand je parle de la résistivité, c'est en ohm-mètre. Quand je parle de la conductivité, c'est le siemens par mètre. Et un ohmmètre est égal à un siemens par mètre. Il existe deux types de conductivité. Maintenant, je peux parler conductivité ou résistivité, la même chose. D'accord? Alors, pourquoi on a dit que le sol, il conduit le courant électrique? Il le conduit de deux façons. Donc, il existe deux types de conductivité électrique, à votre avis. Pourquoi elle conduit le courant électrique? Parce qu'il contient des métaux, des minéraux métalliques. Exactement. Premièrement, parce que le sol, il contient des minéraux métalliques. Et les minéraux métalliques, c'est des électrons. Un métal, c'est toujours un noyau et des électrons qui tournent autour du noyau. Donc, il y a des électrons qui sont excités. Et ils vont passer d'un endroit à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la conductivité métallique. Dans ce cas, voilà, la conductivité métallique. Donc là, le passage du courant, si je suis en train de faire une prospection minière dans une zone où j'ai des possibilités de trouver des gisements métalliques, ben dans ce cas, le courant ou le passage du courant, il se fait par déplacement d'électrons. C'est-à-dire que ce sont les électrons qui passent d'un point à un autre, d'un minéral à un autre, et ainsi de suite. Mais bien sûr, on a un clin d'œil, on a un clin d'œil, et ça va vous donner un courant. Un courant qui va passer. Et donc, ça va vous caractériser un milieu conducteur. Donc, c'est le cas des gisements minéraux tels que les sulfures, la pyrite, la galène et tout ça, c'est des métaux qui vont conduire le courant par déplacement d'électrons. C'est aussi le cas des gisements des oxydes, gisements de fer, magnétite, hématite. Par exemple, si vous allez sur Jbilat, vous avez les gisements de Oktara, les gisements de pyrotine d'Oktara, etc. C'est un exemple de gisements conducteurs. Le graphite, l'or, l'argent, le platine, etc. Tout ça, c'est des métaux. Des corps qui vont conduire le courant électrique parce que il y a des charges électroniques qui sont libres et dès qu'ils sont excités par injection de courant, ils vont bouger et ils vont se déplacer et créer un courant qui va conduire le courant électrique. Donc la résistivité liée à la conductivité, alors il y en a des gens qui parlent de conductibilité. Je préfère utiliser la conductivité, parce que la conductivité, c'est plutôt associé à l'eau, mais c'est la même chose. Hein, pour ne pas mettre de confusion là-dedans, la conductibilité pour exprimer la mobilité. Mais la conductivité, c'est la valeur.
C'est la même chose. Alors, moi, j'ai utilisé conductibilité juste pour vous dire qu'il y a un déplacement. C'est une mobilité des électrons. D'accord? Alors, la résistivité liée à la conductibilité métallique peut être déterminée au laboratoire. Je peux prendre un échantillon, faire passer un courant électrique, injecter un courant électrique dans cet échantillon et mesurer la DDP et déterminer la conductibilité de cet échantillon, de cette roche, de ce métal, ainsi de suite. Donc, il suffit de prendre une carotte ou un morceau de la roche, injecter un courant, mesurer la DDP au bord, et donc je peux déterminer la conductibilité métallique de cet échantillon. Exemple. On va faire un exemple de calcul de la conductibilité métallique. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette conductibilité ou alors cette résistivité. Oui, mademoiselle. Oui. Oui. Allez, s'il vous plaît, je ne vois pas le diapo. Comment ça, vous ne voyez pas le diapo? Je n'ai rien fait. Et les autres? Monsieur, je pense, oui, on voit, mais je pense qu'il a des problèmes de connexion. Non, mais moi, je n'ai rien fait pour que ça change. Donc, si vous ne le voyez pas, mademoiselle, c'est qu'il faut reprendre et entrer pour le suivre. Est-ce que les autres ils n'ont pas de problème? Non, monsieur, on voit le diable. Non, pas diable. Monsieur. Vous pouvez reboloter, mademoiselle, pour retrouver votre écran. D'accord. OK. D'accord. Monsieur. Donc, si on fait un exemple de calcul de la conductibilité métallique ou la conductibilité d'une manière générale. Je prends un échantillon cylindrique, donc un échantillon de grès, hein, une barre graisseuse où j'ai coupé un échantillon cylindrique et je sais que dans ce grès, il y a des minéraux métalliques parce que c'est un placer, par exemple, il y a de la platine où il y a de l'or dans ces grès, pourquoi pas, et que je veux mesurer la conductibilité métallique. Quelle est la longueur de l'échantillon? 20 cm. Le diamètre, c'est 3 cm. Je mesure le potentiel aux bornes de cet échantillon cylindrique après avoir injecté une intensité de courant de 4,1 × 10⁻⁶ ampères. Voilà, donc j'ai les données, j'ai injecté un courant, j'ai mesuré un potentiel et j'ai la géométrie du champ scalaire, je dirais, de l'échantillon, la longueur et le diamètre. Donc je peux appliquer ce qu'on vient de voir comme formule entre la densité de courant et le champ électrique. Le champ électrique, on a dit, c'est égal à moins gradient de V. Et déterminer la résistivité, parce qu'il y a une relation entre, on a dit, la densité de courant, on l'a vu, vous voyez, la densité de courant et le champ électrique. Le champ électrique, j'ai le potentiel qui est de 6 volts, j'ai la longueur, donc je peux diviser le potentiel par la longueur, je vais avoir le champ électrique. Et la densité de courant, j'ai l'intensité de courant, c'est 4,10⁻⁶ ampères. Et divisé par la section, j'ai le diamètre, et donc je peux calculer la densité électrique. J'aurai ça connu, et donc je peux tirer la conductibilité métallique. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? J'applique juste cette formule, rien de... À quoi est égale la densité électrique? La densité électrique, on a dit, c'est I sur S. I, je l'ai. S, j'ai le diamètre.
Et j'ai la section qui est un cylindre. À quoi est égale la section d'un cylindre? Activez vos micros pour me répondre, ceux qui veulent répondre. À quoi est égale la section d'un cylindre, d'un disque? La section d'un cylindre, c'est-à-dire la base. À quoi est égale la section pour un cylindre? La section, la surface. À quoi est égale la surface d'un disque? Il n'y a personne qui me répond. Le rayon fois la hauteur. Non, ça c'est la section, la base. C'est pi r carré. C'est pi r au carré. Et si je veux calculer le volume du cylindre, je multiplie par la hauteur. Mais la section, c'est la section de ce cylindre, celui-là. Vous voyez le curseur? Vous voyez le curseur ou non? Non, non, c'est... Le curseur, vous ne le voyez pas? Vous m'avez dit que vous voyez la main. Ah oui, maintenant. La section ici, à quoi est égale la section? Ça serait le pi r carré, donc ça c'est un cylindre. Vous le voyez? Oui, monsieur. Et donc, si je veux calculer la section de ce cylindre, c'est cette section, c'est pi r carré. Multiplié par la hauteur si je veux calculer le volume du cylindre. Mais moi, je n'ai pas besoin de volume. J'ai besoin uniquement de la section. Cette section, ce n'est autre que pi r carré. Donc, j'ai le diamètre, je vais le diviser par 2, je multiplie au carré, ça c'est le r carré, multiplié par pi qui est 3,14. Et donc, j'aurai le j. Et le champ, on a dit le champ, c'est V sur L. Ce n'est autre que la DDP par la longueur. Alors la DDP, j'ai mesuré aux bornes du cylindre de gré, j'ai trouvé 6 volts. Je vais multiplier par la longueur qui est donnée, je ne me rappelle pas de combien. Et donc j'ai tout. J'ai tout pour faire le calcul. J'ai 20 cm, mais je dois la remettre en mètres. Donc si je fais l'application numérique, E, si 6 volts par la longueur en mètres, c'était 20 cm, ça va donner 30 volts par mètre. OK? IJ, c'est quoi? C'est l'intensité de courant, c'est I, divisé par la section, c'est pi r au carré. Bien sûr, en mètre carré, la section, la surface. Combien ça me donne? J, c'est 5,8 ampères mètre carré. Et donc, la résistivité que je cherche, ou la conductivité, c'est E sur G. Je reviens sur la formule. Quoi est égal à la résistivité? Je multiplie ici, ça va être J fois la résistivité, est égal à E, et donc la résistivité c'est E sur G. La résistivité ici c'est E sur G. Est-ce que, c'est clair ou non? Je multiplie ici, ça va me... Est-ce que vous voyez le curseur? Oui, monsieur. Donc J rho est égal à E. À quoi est égal rho? Est égal à E sur G. Donc, c'est ce que j'applique. J'applique rho est égal à 1 sur g, est égal à 30, divisé par ça. Ça va me donner, regardez combien j'ai trouvé. 5172 ohms mètres. Ce symbole-là, c'est ohm. Au lieu d'écrire OHM, c'est cet oméga-là. Ça, c'est quand vous trouvez ça, c'est le symbole ohm. À tout à l'heure, je parlais en mètres. Regardez, c'était en mètres. Le symbole ρ ou oméga, ce n'est autre que le ohm. Et donc, voyez, si je peux calculer la conductibilité métallique ou la résistivité métallique pour un échantillon donné. Ça, je l'ai fait pour un échantillon, mais je peux le faire pour un sol. Pour un sol donné que si j'injecte du courant. Voilà un exemple de l'application des petites formules qu'on vient de voir. Le deuxième type de conductibilité, hein, on a dit de conductivité, deuxième type, le sol, il conduit le courant,
c'est parce qu'il est, parce qu'il y a des électrolytes, parce qu'il y a des charges. Là, c'est pas des électrons, mais c'est plutôt des charges cations anions. Hein, les cations Na+, Cl-, Ca2+, CO3-, ça c'est des cations et des anions. C'est ce qu'on appelle les, ce que vous avez appelé hein, dans le cours de l'hydrogéochimie, je ne sais pas si vous avez fait ça, des électrolytes. Alors le deuxième type de conductibilité, c'est ce qu'on appelle la conductibilité électrolytique. Ok ? La conductibilité électrolytique. La plus fréquente, hein, ça c'est la plus répandue dans la nature. C'est plutôt la conductibilité électrolytique, beaucoup plus que la conductibilité métallique. Dans ce cas, le passage du courant, il se fait par déplacement d'ions et non pas d'électrons. D'ions, c'est-à-dire plus ou moins. Hein, c'est des ions qui transportent les charges sous l'effet du champ électrique. Vous avez injecté, provoqué, pour la polarisation provoquée, provoqué le sol par injection de courant, vous allez créer un champ et donc les charges qui existent à l'intérieur de ce champ, ils vont commencer à bouger. Hein, hein, parce qu'ils sont excités. Donc les K+, il va chercher les Cl- pour donner, hein, les Na+, ils vont bouger vers une charge négative. Et ça, une mobilité, c'est donc une conductibilité électrique. C'est ça, c'est, si vous faites bouger des charges, c'est un courant qui passe. Les roches conduisent alors le courant électrique grâce à l'eau qu'il contient. Les électrolytes, on les trouve essentiellement dissoutes dans l'eau. Même si vous avez de l'humidité, il y a des charges dedans. Et cette conductibilité, elle dépend donc, vous voyez que ici, la conductibilité, elle dépend de la qualité de l'électrolyte, c'est-à-dire degré de salinité et la mobilité des ions, et donc de la résistivité ou de la conductivité de l'eau. Quand je parle rho indice W, c'est l'eau. Vous voyez maintenant, si vous avez un sol ou une roche où il y a de l'eau, elle va vous donner une conductibilité électrolytique, mais là, l'importance de cette conductibilité, elle dépend de ce que vous avez comme électrolyte. S'il y a beaucoup d'électrolytes, elle va être très conductrice. Mais aussi, il y a des ions qui sont plus mobiles que d'autres. C'est pour cela, tout à l'heure, je vous ai dit l'eau salée, est plus conductrice que l'eau douce. Dans l'eau douce, il y a des ions, mais dans l'eau salée, il y a plus d'ions. En A plus Cl-, il y en a plus dans l'eau salée que dans l'eau douce. Et les Na+ et Cl-, en plus qu'il y a une grande quantité, ils sont très mobiles, ils sont très sensibles à la mobilité. Vous pouvez trouver les K+, dont les K+ à côté, ils bougent, mais ils bougent très lentement par rapport à un A+. Donc, c'est la mobilité de ces ions qui caractérise la conductibilité électrolytique et aussi la charge, la quantité. Vous avez des ions dans les hydrocarbures, mais qui ne bougent pas, ou qui bougent très peu par rapport aux ions qui existent dans l'eau douce. Et donc, si vous voulez caractériser une nappe d'hydrocarbures qui pollue une nappe d'eau douce, vous allez trouver que dans l'eau douce, la conductibilité elle est très importante. Et dans la partie polluée, la conductibilité elle est moins importante. Donc c'est pour cela que vous allez avoir une différence, un contraste. Vous voyez que je reviens au contraste, toujours au contraste. Et donc, la qualité de cette conductibilité électrique, elle dépend de la qualité de l'électrolyte, c'est-à-dire degré de salinité, hein, et non qui a une salinité de je ne sais pas, 1 gramme par litre, ce n'est pas la même chose qu'une eau qui a une salinité de 10 grammes par litre. Donc, ils vont donner une réponse électrique différente. Mais une eau qui est plus chargée en A+, ce n'est pas la même chose qui est la même eau chargée en K+.
que la mobilité de N1 plus, elle est plus élevée que la mobilité de K plus. Et quand je donne des exemples de CA2 plus, de CO3 2 moins, et ainsi de suite. Toutes les cations et anions que vous connaissez. La quantité de l'électrolyte. Donc, vous voyez que c'est le volume de l'électrolyte dans une volume unité de roche. Dépend de la porosité, bien sûr. Si vous avez une roche qui est très poreuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau, il y a une grande quantité de charge, de cation anion. Et donc, elle va donner une eau beaucoup plus conductrice. Donc, si vous avez une zone qui est très saturée en eau avec beaucoup de porosité, c'est pas la même chose que c'est la même roche, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Même si on est dans la même roche, dans la même couche, une zone où vous avez beaucoup de porosité, de pores remplis d'eau, même dans la même couche, latéralement, la couche n'a pas beaucoup de porosité. C'est quoi la porosité? Qu'est-ce que c'est la porosité? C'est le pourcentage de vide. C'est le vide, voilà. Monsieur, c'est le vide. Voilà, la porosité, c'est le volume du vide sur le volume total. C'est le pourcentage du vide par rapport au volume total. Donc, si vous prenez une même couche, dans une zone, elle a été très fracturée parce qu'il y a une faille qui passe à côté. Et donc, la zone a été broyée, fracturée, il y a beaucoup de vide. Et si ces vides sont remplis d'eau, ça va donner une zone conductrice, une nappe. Dans la même couche latéralement loin, la couche n'est pas très fracturée et donc il y a peu d'eau. Ça va donner une réponse différente. Voilà. Donc vous voyez que je reviens toujours à cette quantité de charge et à cette mobilité des ions. Et donc en hydrogéologie, on emploie le plus souvent que pour parler de cette conductibilité électrolytique, le micromol ou le microsiemens. Tout à l'heure, je vous parlais de 700 microsiemens par centimètre. Je préfère utiliser le microsiemens ou le micromol pour quantifier la conductivité de l'eau. Alors, vous avez la conversion, si un jour vous en aurez besoin. Un nanomètre est égal à 1000 sur la conductivité en millisiemens par mètre. Est égal à 10 000 divisé par la conductivité en microsiemens par centimètre. Si jamais vous aurez besoin un jour dans la recherche, etc., moi, je ne fais pas l'hydrosiochimie. Mais en tout cas, juste pour vous dire que voilà, la résistivité, c'est en nanomètre, et la conductivité, c'est en microsiemens par centimètre, ou alors en siemens par mètre, qui est égal à en mètre moins 1. Voilà. Alors, le facteur déterminant la résistivité d'un sol est la teneur en eau. Donc, c'est combien elle contient de l'eau. Et un certain monsieur Archie, qui a beaucoup travaillé sur cette conductivité électrolytique des sols, il a défini un facteur de formation, ce qu'on appelle le facteur de formation d'Archie, qui a déterminé une relation empirique avec de l'expérimentation, c'est-à-dire il a pris plusieurs types de sols et il a défini à quoi est égale la résistivité électrique ou la conductivité électrique de ces différentes roches en fonction de leur porosité et de la teneur et de la résistivité de l'eau. La résistivité de l'eau, on a dit, elle dépend de la quantité des charges, mais aussi de la qualité des cations et de leur mobilité. Et M. Archie a défini cette formule empirique. Quand je dis empirique, il a été expérimenté et validé. Ça y est, on n'en parle plus. Il a montré sa satisfaction. Et donc, M. Archie, il exprime rho indice R, c'est-à-dire la résistivité de la roche, à quoi est égal? Est égal à la résistivité de l'eau, qui est contenu dans les pores, c'est-à-dire dans cette porosité, multiplié par A, un certain paramètre de formation, il l'appelle facteur qui dépend de la lithologie, hein, qui dépend du type de sol, multiplié par sa porosité à la puissance moins M. M, c'est un facteur de cimentation. Donc, vous allez trouver dans la littérature, si vous mettez sur Google Archie, formule d'Archie, il va vous sortir des abacs
avec petit A et petit M pour les différents types d'eau sol, de grès, de sable, de marne, d'argile, de calcaire, de quartzite, de granit. Vous allez trouver les A et les M. Il a établi des abacs, monsieur Archi, et qui permettent de déterminer la résistivité de la roche si on connaît la résistivité de l'eau et la porosité. On peut la déduire. Donc, résistivité de la roche est égale à la résistivité de et rho fois A, plutôt A fois la porosité indice, ou plutôt à la puissance moins M, c'est un grand F, c'est facteur de formation d'archi. Donc, vous avez une formule que l'on peut utiliser et on va appliquer cette formule tout de suite. On va appliquer tout de suite cette formule pour vous dire comme ce qu'on a fait pour la conductivité métallique sur l'échantillon de grès, connaissant le I, le V, on a calculé la densité et le champ électrique et on a déduit la résistivité du grès d'une longueur de 20 cm d'un diamètre, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. On a trouvé 5000 et quelques ohms mètres. La même chose, la résistivité de l'anche, on peut la définir avec cette formule. OK. Donc, étant donné que vous êtes en train d'enregistrer, ce n'est pas la peine que je vous demande de prendre la formule. Oui, regardez, description de la roche, vous avez le A et le M pour différents types de formations. Moi, j'ai pris quelques-unes pour les plus utilisées, mais pour les plus rencontrées dans la nature, mais c'est pas... Vous pouvez trouver d'autres. Alors, on va passer à un exemple de calcul. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, exemple de calcul de la résistivité par la formule d'Archi. Je vais prendre un sable, soit un sable ayant une porosité de 30%. J'ai pris l'échantillon de sable, j'ai mesuré la porosité. Alors, pour mesurer la porosité, je ne vais pas rentrer dans les détails, je peux faire la pesée, je vais peser l'échantillon de sable, et puis je vais saturer en eau et mesurer de nouveau. Et le poids de l'eau, je vais le transformer en volume, etc., pour déterminer le volume des pores par rapport au volume global. Ça, c'est des choses qu'on fait avec, au laboratoire dans les bureaux d'études, avec ce qu'on appelle un pycnomètre. Alors, soit un sable qui a une porosité de 30%, donc je connais la porosité phi, qui est saturé en eau douce. Donc, elle contient de l'eau douce. J'ai mesuré l'eau douce avec le conductivimètre dont je vous parle. On a un conductivimètre au département. J'ai plongé les sondes et ça m'a donné tant de millisiemens par centimètre. J'ai converti, j'ai trouvé 20 ohms mètres, moyennant la formule que je vous ai donnée. Donc, la résistivité de cette eau, c'est-à-dire de cette eau, la résistivité de l'eau, celle-là. Vous voyez le curseur? Oui, monsieur. La résistivité de cette eau, elle est de 20 ohms mètres. La porosité, elle est connue. La porosité, elle est connue. A aussi, elle est connue du sable. Et donc, je peux déterminer la résistivité de la roche. D'accord? Donc, je reviens. Un sable qui a une porosité de 30%, saturé en eau douce, qui a une résistivité de 20 ohms mètres. Et la résistivité de la formation sera quoi? Si je fais le calcul, parce que A est égal à 1, ce sable A, le petit a est égal à 1 et le petit m est égal à 1,3. Donc F est égal à A sur rho, sur phi plutôt à la puissance m. Parce que si je reviens ici, F à quoi est égal? C'est A divisé par phi à la puissance moins m. Je la fais descendre en bas, ça devient phi à la puissance m. Est-ce que vous suivez ou non? Ce F-là n'est autre que A fois phi à la puissance moins M. Phi à la puissance moins M, c'est 1 sur phi à la puissance M. Je n'ai rien fait que remplacer A est égal à 1 et M est égal à 1,3. Parce que je l'ai pris dans les abacs.
A et M, ils sont donnés. Hein. Et donc, je peux dire que la résistivité de la roche, c'est A, c'est 1, divisé par phi qui est de transport, sont, c'est donc 0,3 à la puissance M, 1,3, multiplié par la résistivité de l'eau, qui est de 20. Ça donne combien? Je vous écoute, ça donne combien? Combien on a trouvé? Il faut lire, il faut juste lire, il faut juste m'assurer que vous suivez. 86. Ça donne 86. Donc, j'ai un sable qui a une porosité de 30% avec une eau à l'intérieur de ce sable saturé qui a 20 mètres et j'ai calculé la résistivité du sable global, c'est-à-dire le sable plus l'eau. Ça m'a donné 96 ohm mètres. C'est bon. Maintenant, si au lieu de l'eau douce, je prends le même sable, et je le remplace, je remplace l'eau douce par l'eau salée. Et je refais le calcul avec la même chose, Si la formation est saturée d'eau de mer au lieu de l'eau douce, l'eau de mer, j'ai mesuré, ça m'a donné 0,5 ohm. Vous voyez que c'est très conducteur par rapport à l'eau douce. Combien on a trouvé pour la résistivité de la roche, c'est-à-dire du sable? Je vous écoute. 2,4. Voyez, vous comparez 2,4 à 96. Comparez 2,4. À 96. Est-ce que vous voyez le curseur? Comme ça, je joue avec le curseur chaque fois. Oui, oui. Donc, 2,4, si je remplace l'eau douce que j'ai ici par l'eau de mer, au lieu d'obtenir 96, je vais obtenir uniquement 2,4. Vous voyez la différence? C'est 10 fois moins. Ah, c'est 10 fois moins. Et donc, voyez que si j'ai dans une couche de sable, hein, supposons qu'on est dans la côte de Sawera, pas loin dans la zone de Sawera, où nous avons un aquifère formé par une couche de sable. Ben, cette couche de sable, elle va jusqu'à la mer. Elle est située, je ne sais pas, par exemple, à 50 mètres de profondeur. Elle va jusqu'à la mer et elle rentre dans le continent, dans le bassin de Sawera. Et donc, dans cette couche de sable, j'aurai de l'eau douce qui va rentrer dans la couche parce qu'elle est très poreuse, 30%, hein, elle est très poreuse. Et le reste de la couche dans le bassin de Sawera, elle est saturée en eau douce. Et donc, je peux, si je fais ce calcul, être capable de déterminer la limite entre la zone où il y a l'eau de mer, qui va donner des valeurs très faibles, de 2,4. 3, 5, quelque chose comme ça, et l'eau douce qui va donner des valeurs de 100, 120, etc. Donc, je serai capable, parce qu'il y a un grand contraste, 10 fois. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit que les méthodes électriques sont utilisées pour étudier le phénomène d'invasion d'eau salée dans l'eau douce. Voilà un exemple de calcul pratique qui vous démontre la faisabilité des choses. Est-ce que c'est clair ou non? Monsieur? Oui? Comment on a trouvé le facteur M? Le facteur M, 1,3. Je vous ai dit que ces paramètres intrinsèques de chaque type de formation, ils ont été calculés par Monsieur Archi. Vous avez des ABAC, des tableaux, où vous pouvez chercher pour chaque type de formation que vous avez les A et le M. Toujours A, on prend 1, toujours, presque toujours. Parce que vous avez trouvé du 0,93, du 0,98, du 0,9, c'est toujours 1. Et M, si vous avez une argile, vous avez un M. Si vous avez une marne, vous avez un M. Si vous avez un sable, vous avez un M. Vous allez les trouver dans des abacs. Mettez sur Google formule d'Archer
et vous allez trouver, vous allez sortir ce type de tableau comme moi je l'ai sorti, hein, ce type de tableau, moi je l'ai pris sur Google. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Ok, mais le plus important, c'est de voir que la différence entre la conductivité ou la résistivité de l'eau douce et de l'eau salée. C'est ça ce qui m'intéresse le plus. Si j'ai une même couche saturée en eau douce, elle va donner des valeurs. Saturée en eau de mer, elle va donner des autres valeurs. Et donc, je peux utiliser ces méthodes pour trouver la limite. Parce que c'est ça ce qui m'intéresse. La limite qui m'intéresse, parce que si je vais faire un puits ou un forage pour alimenter un douar, je ne vais pas l'implanter dans la zone salée. Mais pour savoir où est la zone salée et où est la zone douce, il faut faire ce genre d'études. Mademoiselle, oui, qui voulait poser une question. Oui? Allez, activez votre micro. Monsieur, j'ai une question. Oui? Monsieur, parfois on trouve des zones qui sont saturées de l'eau salée, même s'ils sont loin des côtes. Oui, très bonne question. Ouais, bien sûr, très bonne question, parce que on n'est pas... Comme la région de Tahnaout. Oui, parce qu'il y a des formations salées dans la zone. Dans la zone de Tahnaout, vous avez des marnes de Trias qui sont très bourrées de gypse. Et vous avez donc, c'est une formation salée. S'il y a de l'eau qui passe à travers cette formation, elle va dissoudre les gypses, etc. Et vous allez avoir beaucoup de salinité dans votre eau. Donc, ce n'est pas obligatoirement dans la mer. Moi, je donne des exemples de la mer pour être pédagogique. Mais si j'ai un diapir de sel, vous connaissez ce que ça veut dire un diapir de sel? Non. Les diapirs, les sels, quand ils se concentrent, ils forment des poches, des diapirs. Quand même, on vous a enseigné les diapirs de sel quand même. Ça, c'est la sciologie du Maroc, ça aussi. Et si vous avez une zone où il y a beaucoup de sel, même si vous êtes du côté de Rachidia ou du côté du Haut Atlas, ce n'est pas obligatoirement d'être à côté de la mer. Vous avez le Trias. Le Trias, il est caractérisé par quoi au Maroc? Le Trias est toujours salifère. Pas de formation salifère. Des évaporites, exactement. Les évaporites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gypse, il y a beaucoup de halite, il y a beaucoup de sel. Et donc, si vous avez une nappe à côté du Trias, il faut s'attendre que vous allez avoir beaucoup de salinité dans votre eau, là où vous allez forer votre puits. C'est pour ça que Tahnaout, vous avez de l'eau salée. Et donc, il faut faire des études pour s'assurer que la salinité elle est acceptable ou n'est pas acceptable. Ça dépend bien sûr de degré de charge des électrolytes que vous avez dans votre eau douce, dans votre eau de cette nappe. Et donc, moi je donne l'exemple à côté de la mer, mais c'est pas. On peut être dans le continent. Si on est à côté d'une zone salifère, c'est sûr que la nappe elle va être polluée par l'essivage. Hein, parce que l'eau elle circule dans le sous-sol. Elle passe par des formations salifères, et il va lessiver, il va prendre les électrolytes avec lui, il va les amener dans la zone où il n'y a pas de sel, et vous allez avoir une salinité, au lieu d'avoir une salinité, par exemple, de 500 millisiemens par centimètre, vous allez trouver une salinité de 3000 millisiemens par centimètre, et dans ce cas, l'eau devient salée. Je vous ai dit la limite, je crois, 600. Dans les normes OMS, de l'Organisation mondiale de santé, la limite pour l'eau salée et l'eau douce, c'est plutôt 700 millisiemens par centimètre. Posez votre question à votre professeur d'hydrogéochimie. OK, et donc là, je vous démontre par les calculs que les méthodes électriques peuvent être utilisées pour étudier le phénomène d'invasion des eaux salées par les eaux douces, que ce soit dans la mer, que ce soit sur le continent, là où vous avez des sels qui peuvent envahir
votre nappe. Un autre exemple de calcul, je prends le même sable avec la même porosité, mais au lieu de mettre de l'eau douce ou de l'eau de mer, j'ai mis du pétrole. Le pétrole, c'est un isolant, c'est presque un isolant. Hein. Regardez la résistivité du pétrole. Si 2100, en moyenne, hein, combien je trouve pour la résistivité du sable? Je vous laisse écouter. Combien? C'est 10 045. 10 045. Regardez, je passe de 96 eau douce à 10 045 eau polluée par le pétrole. Donc, si je suis en train de faire une étude hydrogéologique pour étudier l'étude d'impact d'une usine de raffinerie, comme je vous ai donné ce matin donc à Mohamedia ou à Sidi Qassam ou je ne sais pas moi, et je vais étudier le panache, c'est-à-dire la limite de cette nappe jusqu'à où il est pollué. Regardez, si je suis à côté de l'usine dans la zone polluée, je vais obtenir des valeurs de 10 000. Mais si je vais m'éloigner loin de la zone d'influence, je vais obtenir des valeurs de 100, 96, 90, quelque chose comme ça. Donc, il y a une grande différence, il y a un grand contraste. Et donc, je peux utiliser les méthodes électriques pour étudier les phénomènes d'impact ou les phénomènes de pollution des rejets industriels sur la nappe d'eau douce. Et j'espère que c'est clair. C'est clair, donc les méthodes électriques peuvent être utilisées pour étudier les phénomènes d'invasion d'eau salée sur l'eau douce ou alors les phénomènes de pollution causés par les rejets industriels, que ce soit les industries de mines ou les industries de raffinerie des hydrocarbures ou autres de textiles, tout ça, généralement ça donne des rejets résistants. Et voilà, donc c'est très clair. Et on remarque, je le lis, on remarque tout de suite que la mesure des résistivités peut être une bonne méthode de prospection pour délimiter l'emprise par l'eau douce. Désactivez votre micro, monsieur qui fait du bruit. Sinon, je désactive tout. OK. Et donc, on remarque tout de suite que la mesure de résistivité peut être une bonne méthode de prospection pour délimiter l'invasion par l'eau salée d'un aquifère d'eau douce et de même pour surveiller la pollution des nappes ou étudier les réservoirs pétroliers. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, on va se donner, qu'est-ce que j'ai de plus? On va se donner juste combien de, un quart d'heure de repos et on va reprendre, je ne vais pas vous prendre plus, on va aller jusqu'à au maximum midi, mais on se donne un quart d'heure de pause et on se retrouve, il est quelle heure? Donc, il est 10h, 10h51. On reprend à 11h10. À 11h10, je reprends. C'est juste pour terminer une partie qui n'est pas loin. Ah oui. On va essayer de reprendre et faire le jusqu'à ce que vous serez fatigué. D'accord. Donc, on reste branché jusqu'à 11h10. On va reprendre. Moi, je reprends à 11h10. Ceux qui vont aller très loin, c'est leur problème. D'accord? Mais d'accord, je ne vais pas aller au-delà de midi. En tout cas, je vais vous lâcher à partir de midi. D'accord? Comme ça, on fera les deux en bonne et due forme. À tout à l'heure.